Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémiah, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Alors nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de référence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Dieu fidèle, merci encore pour nous manifester encore ta fidélité en ce jour, par le fait que tu nous amènes dans ta présence, tu nous amènes à nous recueillir encore en ta présence pour recevoir de toi, pour être instruit, Seigneur mon Dieu, Père, pour être équipé de ta parole. Nous venons, Seigneur, nous abandonner complètement tes mains. Nous prions que tu puisses encore tu puisses encore répandre ta miséricorde sur chacun de nous, que tu nous pardonnes pour ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié, Seigneur, que tu nous sanctifies par ton sang, corps et esprit, et que, Seigneur, afin que nous te soyons complètement consacrés, que l'air, l'atmosphère, tout autour de nous, te soit entièrement consacré, que tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit qui veut s'opposer à la connaissance de ta vérité, de ta parole, Seigneur, soit lié, chassé, renvoyé dans les couilles de l'enfer, une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons prendre notre lecture des Saintes Écritures dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 44, versets 1 à 16. Alors nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 44, versets 1 à 16, au nom de Jésus-Christ. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison, rempli de vivres les sacs de ses gens, autant qu'ils en pourront porter, et met l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, il renvoya ses gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ?» N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Et ils lui répondirent, pourquoi mon Seigneur part-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit, qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave. Et vous, vous serez innocents. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore. Et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur. » Nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de profondeur, de révélation, de grâce et de vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous entretenir sur
le message suivant, la coupe de Joseph dans le sac de Benjamin. Alors le titre du message de ce jour est la coupe de Joseph dans le sac de Benjamin. La plupart du temps, Dieu pousse les êtres humains à agir d'une certaine manière sans qu'ils s'aperçoivent qu'à travers leurs actions ou leurs paroles, Dieu parle en fait à d'autres personnes. Et c'est exactement ce qui est dépeint dans le passage des Saintes Écritures que nous venons de lire. Le nom Joseph vient de Yosef, la forme latine du grec Yosef, qui provient du nom hébreu Yosef, signifiant « il ajoutera » de la racine du mot « Yassaf ». Dans l'Ancien chapitre 30, versets 22 à 24, dit « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit « Dieu a enlevé mon opprobre et elle lui donna le nom de Joseph en disant « que l'Éternel m'ajoute un autre fils ». Le nom Benjamin vient du nom hébreu Binyamin, signifiant fils du sud ou fils de la main droite, provenant des racines des mots Ben signifiant fils et Yamin signifiant main droite ou sud. Benjamin dans l'Ancien Testament était le dernier et le plus jeune fils de Jacob et fondateur de la tribu de Benjamin. Il était en fait la réponse à la signification du nom Joseph, parce que Dieu en effet ajouté un autre enfant à Rachel. Donc, Benjamin est la réponse au nom que signifie, à la signification du nom Joseph, qui veut dire le Seigneur, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'est ainsi que Dieu a donné Benjamin à Rachel, un autre fils à Rachel du nom de Benjamin. Il s'appelait à l'origine Benoni, signifiant fils de ma douleur, par sa mère Rachel décédée peu de temps après l'accouchement. Mais son nom fut immédiatement changé par son père à sa naissance. Genèse chapitre 35, verset 18 qui dit « Et comme elle, ici elle Rachel, allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais le père, c'est-à-dire Jacob, l'appela Benjamin. » Donc, pendant l'accouchement, Rachel eut tellement de douleur qu'elle finit par rendre l'âme. Donc, c'est-à-dire, elle finit par décéder. Ainsi, Benjamin, qui signifie « fils de ma droite », s'est retrouvé avec la coupe de Joseph dans son sac. Et c'était une façon pour Joseph de rappeler à ses frères le mal qu'il lui avait fait parce qu'il l'avait vendu comme esclave aux Ismaélites, que les Ismaélites, à leur tour, l'avaient vendu aux Égyptiens, comme décrit dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 28, qui dit « Au passage des marchands mandianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, c'est-à-dire les frères de Joseph. Et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. » Par conséquent,
comme moyen d'humilier les frères de Joseph, Dieu les fit être en, Dieu les fit être en position de faiblesse devant Joseph. Et ainsi, la coupe de Joseph se retrouva dans le sac de Benjamin, lui dont le nom signifie « fils de ma droite ». C'est en fait la coupe de l'humiliation de la main droite de Dieu contre les frères de Joseph. D'où la parole de Dieu dit dans Habacuc chapitre 2 verset 16 « Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi. » Et l'ignominie sera ta gloire. Mais lorsque les frères de Joseph agirent méchamment contre Joseph, son jeune frère Benjamin n'était pas avec eux. Et il n'était non plus au courant de ce qu'ils avaient fait. Par conséquent, Benjamin était innocent de tout le mal qui fut fait à Joseph. Et maintenant, Benjamin est accusé d'avoir volé la coupe de Joseph. Et c'est exactement pourquoi la coupe de Joseph était dans le sac de Benjamin, car Benjamin signifie fils de ma droite, car dans la droite de Dieu se trouve aussi la justice de Dieu, comme le mentionne le livre de Psaumes, Psaume 48, verset 10, qui dit « Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. » Donc, du côté droit de Dieu se trouve la justice de Dieu. Pour dire, Benjamin, dont le nom signifie fils de ma droite, pour dire que Benjamin, aux yeux de Dieu, est innocent. Mais il est injustement accusé d'avoir volé la coupe de Joseph. Et ce n'était pas seulement pour rappeler l'injustice qui avait été faite à Joseph lui-même, mais c'était aussi une prophétie sur le fait que Jésus-Christ serait accusé à tort ou injustement et qu'il serait condamné à notre place de la même manière que Benjamin était accusé à la place de ses frères qui étaient en fait ceux qui avaient agi méchamment contre Joseph. D'où Dieu a parlé à travers le prophète Ésaïe de Jésus-Christ qu'il porterait nos iniquités, dans Ésaïe chapitre 53 verset 6 à 8 qui dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, ici il parlant de Jésus-Christ, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent. » C'est pourquoi on appelle Jésus l'agneau de Dieu. C'est continué pour dire, il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le chagrin et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, après sa résurrection, Dieu le Père l'a fait asseoir à sa droite, comme indiqué dans la parole de Dieu dans Marc chapitre 16 verset 19 qui dit: le Seigneur, après leur avoir parlé, donc après avoir parlé aux disciples, fut enlevé au ciel
et il s'assit à la droite de Dieu. Éphésiens chapitre 1 verset 20 ajoute pour dire: il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ainsi, Dieu a utilisé l'injustice qui avait été faite à Joseph comme un moyen d'élever Joseph, car Joseph a dû être vendu à tort comme esclave en Égypte, afin que Potiphar, qui était le troisième en autorité dans toute l'Égypte, puisse élever Joseph et faire de lui le responsable de tous ses biens et de sa maison. Et encore, Joseph a dû aller en prison car il avait été accusé à tort par la femme de Potiphar, qui avait menti à son mari que Joseph avait essayé de la violer, alors qu'elle était celle qui faisait pression sur Joseph pour avoir des relations sexuelles avec lui. Mais Joseph refusa continuellement, d'où Joseph fut envoyé en prison sur de fausses accusations. Mais Dieu a élevé Joseph, même en prison, de sorte qu'il devint responsable de tous les autres prisonniers. Et par la suite, Dieu l'a élevé de sorte qu'il fut fait premier ministre de l'Égypte tout entière. Et il régnait sur toute l'Égypte, tel que le livre de Genèse le décrit dans Genèse chapitre 41, versets 38 à 44, qui dit: et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Celui-ci faisant référence à Joseph. Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin. Et lui mit un collier d'or au cou et il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph: je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Ainsi, Dieu a utilisé chaque adversité de Joseph comme un escabeau pour élever Joseph. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Psaume 110, verset 1, parole de l'Éternel à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. D'où le fait que la coupe de Joseph ait été trouvée dans le sac de Benjamin, et le nom de Benjamin signifiant fils de ma droite. C'est en fait une prophétie pour dire que Dieu utilise les injustices qui vous sont faites comme marchepied ou escabeau pour vous élever. Dieu utilisera les adversités auxquelles vous faites face pour vous promouvoir. C'est-à-dire qu'à la droite de Dieu se trouve l'élévation. D'où le livre de Psaume dit, Psaume 89, verset 13, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Donc, à la main droite de Dieu se trouve l'élévation. Et parce que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père dans les lieux célestes, vous êtes donc aussi assis à la droite de Dieu parce que vous êtes en Christ. Étant chrétien,